Hello, we're back and we're finally here with Mr. Boulif, who's going to answer us a couple of questions. Monsieur Boulif, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec, avec vous à Bengrir, au Saint-Fos, dans ce très beau campus. It's a pleasure being here at, on this beautiful campus. What can you tell us about this event and what it represents for your organization? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet événement et ce qu'il représente pour votre institution? Alors Saint-Fos, tout d'abord, c'est un symposium international sur l'innovation autour de l'industrie des phosphates. C'est l'un des plus importants, les plus grands symposiums au monde aujourd'hui dans ce domaine. Cette quatrième édition donc fait suite à trois précédentes éditions qui ont permis un petit peu de développer un certain nombre de partenariats dans le domaine scientifique et l'innovation autour du phosphate. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on l'organise dans une prestigieuse université, c'est l'université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir, qui, elle, dans sa mission, entre autres, l'innovation dans le mining. Et donc, cette année, nous sommes dans les 950 000 personnes qui vont discuter science, technologie, innovation autour de l'agriculture, autour de l'énergie, autour de la protection de l'environnement, autour de l'industrie de phosphate, des technologies. Nous sommes aussi, nous avons accueilli aussi dans les 105 exposants à travers le monde. Ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Chine, ils viennent de Singapour, ils viennent de différents endroits du monde pour promouvoir leurs produits, leur savoir-faire et partager ce savoir avec le monde industriel, le monde scientifique. Comme j'ai dit, nous sommes 43 pays, mais 43 pays dont les scientifiques qui sont là, donc qui des sciences, des technologies, des innovations. Donc ça va permettre, je dirais qu'il y a la crème dans ce domaine aujourd'hui ici. Et alhamdoulilah, on essaye de tirer profit donc de cette manifestation, monter des partenariats avec les équipes, partager aussi notre savoir-faire à travers le monde. L'objectif, c'est donc, comme j'ai dit, une agriculture durable pour le bien du monde. D'accord, merci beaucoup. Juste une petite question avant de vous libérer. Ce campus est extrêmement beau. Ça donne vraiment envie d'avoir 19 ans et de recommencer ses études, n'est-ce pas? Effectivement, moi, je suis à l'OCP, mais je viens souvent ici à l'université pour s'inspirer un petit peu, rester dans le domaine, je dirais, universitaire, discuter avec les professeurs, discuter avec les étudiants. Et c'est ça qui donne envie donc, de continuer à faire de la recherche dans le domaine, en général et en particulier dans le domaine des phosphates. Merci beaucoup, M. Boulif. Merci, au plaisir. Excellente journée. Bonne suite.